Salut les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo Apprendre un morceau avec piano-facile.fr. Au programme d'aujourd'hui, on va voir le morceau de Aaron U-Turn qu'on appelle aussi Lélé. Voilà, donc on va voir comment jouer les accords, la rythmique. Morceau assez simple, donc voilà, faut pas s'inquiéter, c'est plutôt facile. Et bien on se retrouve derrière le piano pour travailler tout ça. Pour les accords, on va commencer à la main gauche. Alors on va avoir 4 accords. On va commencer par un La mineur qu'on va faire La Domi. Ensuite, on va avoir un Mi mineur 7 qu'on va faire Sol, Si, Ré, Mi. Un Mi mineur Sol, Si, Mi. Et un Fa majeur La, Do, Fa. Voilà pour la main gauche. Pour la main droite, on va faire une octave de Do. Le Do central étant ici. Ensuite, on a octave de Si. Et ensuite, on va avoir Do, Fa, Do. Voilà, on a vu tout ce qu'il faut. Maintenant, on va voir combien de fois il faut faire tout ça et ce qu'il faut jouer. On va commencer par mettre les mains gauche et main droite ensemble, savoir ce qu'il faut faire ensemble. Donc, quand on fait un La mineur à la main gauche, on va faire l'octave de Do à la main droite. Quand on va faire le Mi mineur 7 et le Mi mineur à la main gauche, on va faire l'octave de Si. Et quand on va faire le Fa à la main gauche, on va faire le Do Fa Do à la main droite. Voilà, maintenant qu'on sait ça, on va voir comment faire la rythmique. C'est assez simple, on va jouer 4 fois la main gauche pour une fois la main droite, avec la correspondance que je viens de dire là. Donc on va construire tout ça, on va le voir, c'est affiché la suite d'accords à faire. Il va falloir commencer par faire 4 fois donc, le La mineur. On le refait. Ensuite, on va faire le Mi mineur 7. Le Mi mineur. Le La mineur. Je refais à nouveau le La mineur. Le Mi mineur 7. Le Mi mineur. Et on va faire le Fa. Deux fois. Là, on arrive sur le refrain. Le refrain, il va falloir faire ceci. On va commencer par un La mineur. On va faire un Mi mineur 7. Et on va faire le Fa. Deux fois. Ensuite, on va faire à nouveau le La mineur. Le Mi mineur 7. Et là, on va faire un Mi mineur 7 qu'on va plaquer. 2, 3, 4. Et après, on refait le début. Donc le dernier, au lieu de le jouer 4 fois, on le joue une fois en laissant appuyer. Et on attend les 4. Donc voilà, c'est la même longueur de jouer 4 fois ou d'attendre 4. Ça va juste permettre de faire une pause, une petite respiration dans ce morceau. Voilà, on a vu tout ce qu'il faut. C'est ça, en boucle plusieurs fois. Regardez la démo, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager. Voilà, c'est à vous, travaillez bien. Ciao !